Les résidences Paul-Émile Léger, c'est un projet de résidence artistique dans des lieux peu communs. Les centres d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie, que l'on connaît le plus souvent sous le nom de CHSLD. Né d'une alliance entre le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville et le centre d'hébergement Paul-Émile Léger, cette initiative offre la possibilité à des artistes de la relève d'intégrer des ateliers de création et de recherche gratuitement au sein d'un centre d'hébergement. Les résidents du centre cohabitent alors avec les artistes et se voient offrir des ateliers que ces derniers leur proposent, permettant ainsi de créer du lien et de découvrir des pratiques artistiques. Je m'appelle Charlotte Gomeschi, je suis une artiste visuelle, j'utilise les médiums la photographie et la vidéographie. J'ai gradué d'un baccalauréat en photographie à Concordia en 2020, puis depuis je travaille sur ma pratique artistique. J'ai accepté cette résidence parce que ça concordait vraiment avec un projet sur lequel que je travaillais, qui est par rapport à mon grand-père qui a la sclérose en plaques. Donc venir dans un environnement comme ici, c'était parfait pour la recherche et le développement de mon projet. Donc, le déroulement de la résidence a commencé. J'ai fait du bénévolat pendant les deux premières semaines. Donc, j'ai participé aux activités de loisirs pour que les résidents apprennent à me connaître et j'apprenne à les connaître. Puis ensuite, les gens qui étaient intéressés sont venus pour un atelier photo. Donc, j'ai un peu parlé de qui j'étais, de ce que je faisais. Et par la suite, les résidents ont décidé s'ils voulaient prendre des photos ou que je les prenne en photo. Puis ensemble, on a comme créé une petite exposition de photos qu'aujourd'hui, on présente. Alors, pour nous, c'était une première expérience d'accueillir quelqu'un qui venait faire une résidence en art ici à Paul-Émile Léger. Et puis, au début, Charlotte et moi, on se questionnait un peu à savoir comment on était pour amener et proposer l'activité aux résidents. Et puis, à notre grand étonnement, bien, les résidents, eux, savaient ce qu'ils voulaient. Et puis, Charlotte, finalement, a juste eu à les accompagner à travers ce projet-là. Et puis, ça a été une très belle expérience. Qu'est-ce que ça m'a permis de développer dans cette résidence? C'est de comprendre plus le quotidien de ces résidents-là. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont raconté leur histoire du passé et de comment ils vivent en ce moment être dans cette résidence. Fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce monde-là que je ne connaissais pas. Puis, ça a aussi permis de m'aider à développer mon projet, que dans le fond, je m'intéresse beaucoup à les proches aidants, dans le fond. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on accueille cette année pour une première cette résidence d'artistes. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec la citation célèbre « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est ce qu'on est en train de réaliser avec ce partenariat qu'on a fait avec le Centre emploi jeunesse et cette résidence d'artistes. On se rend compte qu'en prêtant nos locaux, en partageant nos ressources, on est vraiment capable d'aller plus loin. Et pour la clientèle qui est hébergée en centre d'hébergement, ça fait beaucoup de sens parce que, dans le fond, on rend la culture et l'art accessible à une clientèle qui probablement ne pourrait pas y avoir accès sans cette initiative qui nous réjouit. L'idée du partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi et le centre d'hébergement Paul-Émile Léger est venue du fait que le troisième étage, qui était un milieu de vie, un petit village auparavant, avec le temps un petit peu perdu les vocations des locaux. Fait qu'on voulait amener des gens de l'extérieur afin de permettre que ça soit plus vivant. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose à faire, je ne savais pas quoi. On a invité l'équipe à venir visiter. Il y a eu plein d'idées qui ont été réfléchies. Puis dans le fond, ce qui a retenu notre attention, ça a été la résidence artiste qu'on a déjà fait une fois et on espère continuer plusieurs fois. Donc, j'ai créé quelques liens avec des résidents, donc surtout un avec Natacha. Elle venait souvent me voir à mon bureau pour me parler, puis c'est vraiment quelqu'un qui est assez ouverte. Donc, elle me parlait de comment elle a vécu son handicap avec le temps. Elle me montrait des photos d'elle quand elle était petite. J'ai beaucoup aimé les ateliers, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que de un, Charlotte le donne une fois voyager à travers les photos. De voyager à travers les photos, de te faire comprendre c'est quoi une photo, comment ça fonctionne, la lumière, l'ombre. Charlène m'a proposé de faire quelques clichés dans ma chambre. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que les photos sont vraiment belles. Moi, j'adore le noir et blanc. Depuis toujours, je trouve que c'est là qu'on trouve plus l'essence de la photo. Notre volonté est de concilier l'art et le soin en faisant de l'art un vecteur de soin et le soin un vecteur d'art.
parce que ce projet ramène l'humain au cœur de la créativité, dans un esprit de partage et d'ouverture à l'autre. Alors si cette initiative vous tient à cœur, contactez-nous. Hourra!